Un colis est arrivé, et pas n'importe lequel. My First Prayer Mat. Ça vient de la marque Takva qui fait ça. Ce sont des tapis pour les enfants. Donc mon premier tapis de prière, les filles vont être super excitées. L'idée aussi de la vidéo, c'est de vous partager un peu notre cheminement, nos astuces, les outils qu'on a utilisés pour tout doucement parler de la prière aux filles. Donc écoutez, c'est parti, on va parler de tout ça. Let's go! Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le vendredi et comme je vous disais sur Instagram, Wisrasnabi, n'hésitez pas à me suivre. Vous aurez de temps en temps des vidéos à contenu un peu plus spirituel. Et donc aujourd'hui, comme le titre indique, on va parler de la prière. Bien sûr, avant de commencer, je ne suis pas imam. Donc pour les questions vraiment à quel âge il faut commencer, à quel âge c'est obligatoire, etc. N'hésitez pas les filles à aller tout simplement à faire vos recherches et à demander aux personnes qui sont compétentes. Je laisse faire vos recherches par rapport à ça puisque le but de cette vidéo c'est vraiment de vous parler en tout cas de mes astuces, de ce qu'on fait à la maison. Alors, mais les filles ont 6 ans, donc elles vont bientôt avoir 7 ans dans quelques mois. Haroun qui a 2 ans, je vous assure qu'il sait déjà, je ferai le test tout à l'heure pour vous montrer peut-être en fin de vidéo ou à un moment donné, il sait déjà, il ne sait pas c'est quoi la prière, mais il connaît ce geste et quand je dis non maman elle doit faire Allahu Akbar, il prend le tapis, il le met par terre et il se prosterne. Donc une chose qui est importante je pense quand on fait la prière, une chose qui est importante je pense c'est de prier devant les enfants. Voilà, sans leur dire quoi que ce soit. Vous priez devant les enfants. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien s'isoler, etc. Mais je pense que c'est bien de prier devant les enfants. Bon, les enfants, je vais faire la prière. De leur dire parce que du coup, ils vous voient faire ces gestes. Et ils vous voient faire ça régulièrement. Et on sait très bien que le meilleur exemple, déjà, c'est de faire les choses soi-même. En tout cas, j'ai remarqué, comme je vous disais, Haroun, il n'a même pas encore 2 ans. Hein, et ça fait un moment. Et c'était pareil pour les filles. Je me souviens que très tôt, elles prenaient le tapis de prière et elles imitaient tout simplement. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre les 7 ans? Moi, personnellement, je pense, comme je vous disais, qu'il faut en parler avant et qu'il faut que ça fasse finalement partie de la vie quotidienne. Alors, pour les filles, on a commencé tout doucement, donc voilà, elles imitaient de temps en temps. Je leur disais, les filles, vous voulez faire la prière avec maman, etc. Voilà, il faut se couvrir, voilà, on fait comme ça, vous suivez ce que je fais, l'imitation tout simplement. Alors, je les ai inscrites à un stage, j'avais partagé ça en story, ça remonte à 2 ans, elles avaient 5 ans, il y avait un stage qui était organisé par une association musulmane et ça s'appelait donc le stage prière, apprendre de la prière et donc ils auront appris comment faire les ablutions, la prière, etc. Je sais, elles n'ont pas tout compris, mais au moins voilà, elles ont commencé à comprendre en tout cas et à voir que ce que dit maman à la maison, c'est la même chose aussi à l'extérieur. Alors une chose aussi qui est vraiment importante, je pense qu'il les a aussi aidé à comprendre, c'est avant le virus, on allait régulièrement à la mosquée. Donc je prenais les filles à la mosquée, même si à Singapour, toutes les mosquées malheureusement ne sont pas ouvertes aux femmes, mais on allait souvent à la mosquée. Surtout, je me souviens, le deuxième appartement qu'on avait à Singapour, il y avait une mosquée pas loin. Donc on allait genre tous les vendredis ou dès qu'on pouvait. Et je pense que toutes ces petites choses comme ça, ça les habitue et elles commencent à comprendre voilà, tout doucement de quoi on parle, etc. Alors, durant le mois de Ramadan dernier, j'ai acheté un livre sur les 5 piliers de l'islam, un livre super bien fait, ludique, avec des petits morceaux, un genre de livre puzzle qui est en anglais. Et donc, du coup, on a revu les prières, voilà, on prie 5 fois par jour, le matin, etc. Elles ne connaissent pas les noms, mais voilà, on y va vraiment tout doucement, tout doucement. Ok, je suis allée chercher le livre, je vais vous montrer. Vous voyez, ça se présente comme ça s'appelle My First Puzzle Book on 5 Pillars of Islam. Et donc, le deuxième après la shahada, vous voyez que c'est ici. Donc là, il y a tous les trucs qui partent, mais... Voilà, donc la prière, vous voyez, donc on explique. Et alors ici, donc vous avez, vous voyez les petits pulses qui peuvent s'enlever. Donc ici, vous avez le petit garçon qui montre l'Aden pour appeler à la prière. Ici, la petite fille qui est en train de prier. Et vous avez le tapis qui est quelque part. Alors le truc, c'est que Haroun, à chaque fois, où est-ce qu'il est le tapis? Il y a un petit tapis normalement. Il est là, le tapis de prière, vous voyez. Et alors, il y a un autre livre, du coup, quand je suis allée dans la chambre, je me suis dit, ah oui, je l'avais oublié celui-là. Donc, pareil, il est en anglais, mais je pense que vous pouvez trouver plein d'autres livres. Ça s'appelle Where is my prayer mat? Il est super bien fait. Donc, c'est un petit garçon, en fait, qui se prépare pour la prière. Donc, il va faire ses ablutions. Franchement, il est vraiment bien fait, ce livre. Donc, et là, il se dit, ah, mais il faut mon tapis de prière. Et alors, il cherche son tapis de prière. Mais donc, en cherchant le tapis de prière, à chaque fois, vous voyez, vous avez ici, ça, par exemple, en dessous du lit. Ah, il ne trouve pas de tapis de prière, mais il trouve ici son tesbih. Et donc, du coup, ça permet d'expliquer qu'est-ce qu'on fait avec le tesbih. Ensuite, il cherche dans son armoire. Mais non, il ne trouve pas ça. Il trouve son livre de Dua Book. Et donc, du coup, on peut expliquer c'est quoi le livre de Dua Book. Puis, il va chercher au-dessus, ah non, c'est son Coran. Donc, du coup, on peut parler du Coran. Et finalement,
finalement, il trouve son tapis de prière. Donc je trouve voilà ce type de livre super sympa pour tout doucement en fait leur apprendre. Et franchement, particulièrement, ces livres-là, ils sont juste super bien. Je les ai achetés ici à Singapour. Autre chose, dans ma salle de bain, dans mes salles de bain plutôt, donc je vous avais montré chez Namla and the Bees, j'avais les petits stickers. Harun, je les ai retirés parce que vraiment, il n'arrêtait pas de les enlever. Donc, c'était des petits, mes ablutions en stickers, vraiment super sympa. Sinon, j'ai aussi ça ici. J'ai trouvé ça chez, comment elle s'appelle, Naïve Kid. C'est une fille sur Instagram qui fait de super jolies affiches. Et donc, vous avez cette affiche-là. Elle est juste posée comme ça, au-dessus du toilette. Dans leur chambre, vous avez les petites images, voilà, comme ça, elles ont ça sous les yeux. Et donc, quand de temps en temps, je leur dis, bon, les filles, vous voulez faire la prière avec maman, ok, ben, vous savez qu'il faut faire les ablutions, et vous avez donc la petite fiche qui leur explique, on lave les mains trois fois, en plus, c'est vraiment simple, hein. Je me lave les mains trois fois, je me lave la bouche trois fois, j'aspire l'eau par le nez trois fois, je me lave le visage, voilà. Que j'avais commandé pareil chez Namla and the Bees qui s'appelle J'apprends la prière pour les filles. Voilà, donc j'avais acheté ça, je sais plus si c'était pendant le mois de Ramadan. Et donc là, pareil, on a commencé donc tout doucement, mais là on va y aller vraiment. Je pense qu'il faut vraiment faire ça progressivement et faire en sorte qu'ils aiment de même. La prière, donc moi je leur dis toujours voilà, la prière c'est un moment où vous faites un break, vous voyez, on est tout le temps en train de courir, etc. et tout. Ben là, on va passer aux choses sérieuses. Je vais faire le déballage avec vous, l'unboxing avec elle parce que sinon elles vont tuer les filles. Mais donc là, on leur a commandé des My First Prayer Mat with Your Little One at Every Salat. Donc c'est une marque qui s'appelle Takva, qui est basée à Singapour, en Allemagne, je ne sais plus où, mais en tout cas ils livrent partout dans le monde. En plus l'Allemagne c'est pas loin de la France. Et j'ai un code promo pour vous. Et donc on a demandé aux filles, en fait, j'aurais dit aux filles, on va bientôt dire apprendre à faire la prière sérieusement, vraiment. Vous voyez, avec la Fatiha, à apprendre des formules qu'il faut dire quand on se prosterne, etc. et tout. Et donc j'aurais demandé de choisir leur tapis de prière. Alors, je vais vous montrer, j'en suis sûre que vous avez deviné. À votre avis, qui a pris ce modèle? Donc, vous avez ce modèle ici, rose, avec la Kaaba. Et vous avez ici ce modèle qui est super beau, c'est la mosquée bleue. Elle a choisi ça, le bleu. Et Mariam, elle a choisi le rose. Donc, ce sont des tapis de prière spécialement pour les enfants. Ce qui est génial, c'est qu'ils sont déhoussables, hyper confortables, déhoussables. Parce que oui, en fait, je vais vous montrer. Hop là, vous voyez, j'ai toujours mon panier aussi, qui est juste là. Hop, elles avaient ça. C'est devenu trop petit, franchement, c'est devenu trop petit. Donc du coup, j'ai gardé, vous vous rappelez, elles avaient une bleue et une verte. Donc celle-ci, je l'ai gardée pour Haroun et la bleue, je l'ai donnée à une copine. Voilà. Et donc là, on s'est dit, non, il faut vraiment qu'elles aient un tapis. Et là, c'est vraiment un tapis pour enfants qu'elles vont garder, qui est super bien fait, qui est super beau. Voilà. Donc ce qui est cool, comme je vous disais, c'est que vous pouvez le débousser pour le laver. Il est super confortable. On va l'ouvrir. Okay, so you shower first? Mama, you know how to sleep. Oh, okay, you shower first. She's so tired. Okay. Wow. Une petite pince. Wow. C'est quoi ça? Voilà, les tapis de prière. Franchement, ils sont super beaux. Et comme vous pouvez le voir, bah les filles, elles étaient juste trop contentes. Elles sont super contentes. Elles sont vraiment doux et entièrement déhoussables. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire, voilà, partagez votre expérience en commentaire. Bisous, bye.